peu souvent, j'arrive un peu plus tôt comme ça. J'aime déjeuner seul. Ça va quoi. C'est vrai que c'est le premier arrivé tous les matins. Ouais, ça m'arrive des fois, mais des fois non, il y a des joueurs qui sont là. Les blessés sont là avant pour commencer les soins un peu plus tôt, tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien déjeuner tranquille et après aller me préparer et être prêt déjà pour commencer. Je vais pas dire la musculation parce que bon, c'est pas trop ce que j'aime, mais bon, j'essaye d'en faire de plus en plus. Merci, chef. On a peut-être une heure et demie de laps de temps avant l'entraînement parce qu'on a la vidéo, la causerie du coach, tout ça. Donc ça permet de digérer. Après, on va sur le terrain, on est en forme. Et voilà. Et après l'entraînement, on a encore le repas à midi, du midi obligatoire. Le chef est là, il fait tout ce qu'il faut, que ce soit viande, légumes, protéines. Ouais, je pense qu'on va à 10h30, le coach il rentre dans le vestiaire pour parler. Après, on bouge sur le terrain direct, je crois. Je pense qu'on va faire début, on va faire quelques courses physiques, tout ça. Après, on va faire peut-être du jeu. Je pense. Thierry, tourne, Thierry. Je vous l'ai dit là. Rebondis bien. Prends la place, Vito, il est plus, Dylan. Vito, il est plus. Il y a un coach aussi, Fred Antonetti, qui est réputé un peu tirer le meilleur de ses joueurs. Et on le voit aussi, cette saison, il arrive à faire quelque chose de grandiose. Il vous apporte énormément, Fred Antonetti, au quotidien. Oui, bien sûr, il nous apporte énormément. C'est quelqu'un qui nous fait sortir de notre confort, en fait, et qui nous fait travailler encore plus. Avec lui, on a envie d'apprendre, on a envie de connaître plus le football. Et c'est ce qui nous fait chaque jour. Quand on est sur le terrain, on a plus de connaissances, on va dire. Il nous apprend vraiment sa petite touche tactique et personnelle. Donc ça se fait ressentir sur le terrain et c'est vraiment bien. Encore. Ah ouais, ça c'est football. Bien joué. Hein. Bien joué. C'est ce qu'on fait pas. Attends, on le fait en marche. Ferme. Ouais, ça va, c'est, on va dire qu'on fait une bonne saison dans l'ensemble. Après, on a un petit coup de moins bien ces derniers temps, il va falloir quand même se reprendre. Je suis dans un bon environnement, on a une bonne équipe, un bon coach, un club qui est en train de grandir. Donc ouais, forcément, c'était un club, on va dire, assez idéal cette saison. Vous, à titre personnel, c'est quand même l'une des saisons les plus abouties de votre carrière. Vous vous en rendez compte de ça? Vous vous dites, je suis en train de réaliser quelque chose de spécial quand même cette saison? Ouais, c'est vrai que cette saison, ça se passe mieux que la saison dernière, par exemple. Et je sais que je peux faire encore mieux et il va falloir justement bien finir la saison pour pouvoir faire mieux. Vous êtes fixé un objectif, vous, à titre personnel, cette saison? Ouais, pas d'objectif personnel, juste de marquer le plus et d'être décisif le plus pour mon équipe pour pouvoir rapporter le plus de points possible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison, Farid? De terminer la saison le mieux possible, d'être décisif le plus possible et de gagner le plus de matchs possible aussi. Bon, merci. On vous laisse aller manger. Ouais, merci. Allez. Bonne journée. Salut Téléfoot, suivez-moi, on va faire un tour à Saint-Symphorien. Je suis arrivé au club étant tout petit, à l'âge de 10 ans. Et puis j'ai traversé toutes les catégories pour arriver jusqu'à l'équipe Fagnon, pour défendre les couleurs de l'équipe et jouer à Saint-Symphorien. Mais cette saison, en Ligue 1, en championnat, vous réalisez un très beau parcours. Comment est-ce que tu l'expliques, cette belle saison du FC Metz? On a déjà une équipe relativement jeune et un groupe avec beaucoup de potentiel. Le coach nous a montré qu'on avait une belle marge de progression et qu'on pouvait viser autre chose qu'un maintien classique, on va dire. Et on
on a montré que de par nos performances qu'on peut jouer on va dire les 10 premières places dans ce championnat. On était sur une bonne série, là on a un petit creux sur les derniers matchs, mais on sait qu'on a le potentiel et on a un jeu qui correspond au niveau où on est actuellement. Bon, toi tu as connu Saint-Symphorien, ancienne version, là tu vas nous faire découvrir la nouvelle. Qu'est-ce qui a changé ? Ah, on a fait un voyage dans le temps, hein. Vous allez voir, vous n'aurez pas vu forcément l'ancienne de l'intérieur, l'ancien stade et l'ancienne tribune, mais là on est en train de rattraper un énorme retard qu'on avait au niveau des infrastructures par rapport à un club qui évolue en Ligue 1, donc c'était une chose à faire et c'est une chose qui est en train de se faire et qui est plutôt bien faite. On parle d'une nouvelle tribune, c'est ça ? C'est ça. Alors, elle pourra accueillir 8000 personnes, mais 5000, la capacité du stade va augmenter de 5000 places. C'est clair qu'avec cette nouvelle tribune et nos performances qui sont bonnes, il ne manque plus qu'un public et un stade rempli. On est quasiment sur le toit, là, Mathieu. Ouais, on pourrait être sur le toit de la tribune d'en face. Mais c'est ça. Ouais, on est haut et on voit bien le match, là. Tu te dis que Metz aurait peut-être quelques points en plus au classement s'il y avait eu les supporters à vos côtés cette saison ? C'est difficile à dire parce qu'on fait déjà une belle saison. Mais c'est sûr que pour moi, le manque des supporters se fait ressentir pour l'équipe qui joue à domicile. Donc forcément, c'est toujours un bonus de les avoir. Et on ne sait pas, peut-être que oui, on aurait quelques points en plus. Tu nous as dit que toi, tout petit, tu venais déjà dans ce stade à 7-8 ans. Où est-ce que tu étais alors dans Saint-Symphorien ? Moi, j'étais souvent dans le coin au fond là-bas de la tribune Est, bien en haut. Donc j'avais une vue un peu comme on a là, mais derrière le but. Tu nous parlais des bons résultats du FC Metz cette saison. Comment tu les expliques, toi, ces bons résultats, Mathieu ? Bah, tout simplement, le coach nous a fait prendre conscience qu'on avait les capacités de jouer une bonne place cette année dans le championnat. Et au fur et à mesure des matchs, on prend conscience justement de ça et on s'applique à faire ce qu'ils nous demandent. Et ça fonctionne plutôt bien jusque-là. On est assez efficace défensivement, on gagne quand il faut gagner. Il y a eu quelques tournants qu'on a manqués, mais globalement, pour le moment, c'est une saison qui est bien réussie, mais il reste encore beaucoup de matchs et ce sera confirmé jusqu'au bout. Bon, merci pour la petite visite en tout cas. On va terminer à la boutique. Ouais. Rapidement, je crois que tu as quelque chose à nous montrer dont tu es particulièrement fier. J'ai envie de voir ça avant qu'on se dise au revoir. On va voir ça. Bon, Mathieu, il y a un seul joueur qui a sa pancarte dans la boutique. Est-ce que tu peux nous le montrer ? Parce que je cherche. Il est là-bas. Ouais. Ils ont fait ça bien, en grand. Ils ont fait ça bien. Ouais. Bah, on a mis l'enfant du club en valeur, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a juste les cheveux qui ont changé. Mais... C'est une fierté. Ouais. J'étais pas au courant. Quoi. Je suis venu la première fois. J'ai dit, oh, c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Mathieu, pour la fin de saison ? Bah, continuer comme ça, aller chercher le plus haut classement possible et enchaîner par d'autres belles saisons et continuer à se stabiliser en Ligue 1 et faire grandir le club. Bon, pour terminer, Mathieu, Metz finira dans le top 10 cette saison en Ligue 1 ? C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais. On se mouille pas trop. Il sera atteint ? Il faudra. Merci. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.